Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de Pokémon Ultra Soleil et Lune. Comment on descend? Mais j'ai pas fait, enfin... Ok. Oh. Et on a réussi l'épreuve de Kiawe, excellent. Tu peux désormais utiliser la Pokémon sur... Eh mais c'est lui. Oui. D'ailleurs, ça te dirait de visiter un centre de loisirs destiné aux Pokémon de tes boîtes PC pour t'y rendre, c'est tout simple. Pour le menu, sélectionne Pokémon Loisirs, retrouve-moi là-bas, plaisir. Allez, bye bye. Ah. Et bah voilà. Bon, bah oui, descendons. Comme tu dis. Ah, il y a un pêcheur, ah, il est gentil, ça va. Surveille les rochers immergés, quand il y a des remous, c'est peut-être un Pokémon rare. Il n'y a rien d'autre. Bon. Partons à la nage Pokémon. Oh, je devrais peut-être m'activer. Oh. Allez, bon, c'est bien, parti. C'est parti pour la promenade. J'ai vu un nageur, alors attention. Ouh. Oh, bah il m'a foncé tout. Bonjour. Les combats Pokémon, c'est avant tout une histoire d'équipe. Eh oui. Eh oui. Bah oui, si t'as pas allez, d'équipe, tu peux pas il s'appelle Bernard. Attends, on n'a jamais affronté de nageur avant, je crois. C'est la première fois que j'affronte un nageur, non? On n'a pas été très souvent dans l'eau. C'est la première fois de ma vie que j'affronte un nageur, je crois. Bon, je sais qu'on on a déjà affronté des nageuses. Des nageuses, oui. Mais des nageurs, je crois pas. Barcantua. Je crois qu'il a plus l'autre couleur de Barcantua maintenant. Mais en général, tous les Pokémon de la 5G, de la 5G ils ont perdu leur forme alternative. Ils n'existent plus. Mergantuin, il va essayer de faire rappel psy. Donc je vais essayer de faire combattre un peu des Pokémon que ça fait longtemps qu'ils sont pas battus, mais bon. Non mais il y a que Vesta dans ton équipe. Les pauvres, sinon après ils vont se faire oublier tout ça. Un petit coquin. Regardez, Happy que personne n'a vu. Il gagne des niveaux. Il existe encore. Wow. Ah oui, d'accord. Mais oui, mais maintenant que j'ai des nouveaux Pokémon, il faut que je les mette à niveau. Des enfers. Bon, bah, j'ai tué le nageur, désolé. Ah bah, tu as tué le nageur aussi. Désolé. Waouh. Voilà, t'as un qui ensemble. Regardez tous ces Pokémon qui gagnent des niveaux. Mais regarde là dans le coin, je le vois pas. Il a une petite tête. Bon, ça sert à rien de débarquer ici. Oui, faut faire le tour par là-haut. Non, je voulais pas pêcher, j'ai vu le bouton A, j'ai appuyé moi. Pas très malin. C'est dommage, t'aurais pu pêcher des perles. Ouais, mais il y avait eu un truc. Alors, oh, il y a une petite grotte. Ah mais oui, normalement, il y a les Topikers qui retournent là-dedans, faut les éviter du coup. Oh, oui, si bon, tu veux. Je vais pas le remettre maintenant. Là-haut, je mais crois si, qu'il y a... Mais si, parce qu'il faut... Oui. Ah oui, là-haut. Bon, en fait, non, c'est pas une cité, c'est une Pokéball, tu vois, je vais la chercher. Du coup, ah bah c'est trop tard, moi j'ai fait les pas et j'y vais. Vas-y, j'essaie de t'économiser un peu ton... Mon repousse, ton oui, repousse. Oui. C'est pas grave. Je vais réactiver le mien. Allez, c'est go. Parti pour le mien. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Bah, là-haut, il y a un truc avec... Mon répulsif est déjà terminé. Ah, il y a une fille. Genre là, on peut pêcher ici, et du coup, on a une chance d'obtenir soit... Oh, il y a un nageur aussi. Ah oh bah, il y a une Pokéball au fond de l'eau. Bon bah, je trouve un Pokémon, j'allais dire... Non, va-t'en toi. On a une chance de tomber soit sur un Pokémon rare, soit sur un... Hey, Starry sauvage. Donc on a une chance de soit tomber sur un Pokémon rare, soit tomber sur un... Bon allez, je vais essayer de pêcher la Pokéball, c'est un antidote. On la pêche même pas. Comment je l'ai récupéré? Trop fort. Non, je me suis trompé, le bouton. Ah oui, du coup tu le captures. Mais j'ai pas fait exprès en fait, je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur YA alors par réflexe de la dernière fois. Et le pire, c'est que tu l'as trouvé une Pokéball où? En haut, vers le nageur qui faisait semblant de m'attaquer. Non, beaucoup plus bas finalement. Un nageur sachant nager, on va apprendre à nager sans son eau classe. Attention, il y a un nageur. C'est pas un nageur, c'est une nageuse. Mais ça suffit, je vais pas être tranquille un peu avec mon équipe. Ah, mais oui, mais moi c'est vraiment un nageur. Alors, oh, ça c'est doit pas grave, pas être on affronte, deux dresseurs différents, mais non, mais moi dans la version lune, c'est une fille, dans la version garçon, c'est un soleil. Paul Olivier, le nageur. Je savais pas qu'il existait un nom composé de Paul Olivier. Mais tu peux faire n'importe quel prénom composé. Trop bien. Ouais. Tout existe. Ah, trop bien, je fais rien comme des gars. Eh, hey, me donne des baffes. Comment il peut me donner des baffes avec ses nageoires, c'est ça? Eh, hey, stop. Est-ce que ça fait plus mal, Rafale Psy? Normalement non, mais... Non mais... Ouais. C'est pareil. Ah oui, en plus t'affrontes un Alomomola. Il va me donner des baves. Non. Bon.
Ah bah, attends, il est en danger là maintenant. Il faut que je me soigne. Moi, le pauvre Paul Olivier, il est bloqué. Ah ouais? Une crampe, j'ai eu une crampe, il est en train de se noyer, j'espère. Oh le pauvre, faut pas dire ça. Non, bah tu m'as pas dérangé extrêmement que ça au final, merci pour ce petit combat. Est-ce que tu vas croiser Paul Olivier en cherchant l'antidote au fond de l'eau? Oh, j'espère pas. Mets-toi plus vers le haut, enfin dans, vers les rochers, parce que sinon tu vas croiser Paul Olivier. C'est ça, non? Mais non, non, on l'avoue. Oh non, non, Paul Olivier, tu sers à rien. Alors du coup, je peux pas te dire puisque je l'ai ramassé, mais il faut suivre le chemin vers les rochers. Voilà, elle est là. Bah dis donc, elle est pas très haute du tout en fait. Mais oui, mais je savais pas pourquoi je croyais que j'étais aussi haut. Bah c'est pas grave, parce que là on va pouvoir débarquer. Ouais, mais enfin, il y a l'autre nul là, de Motisma, qui me parle, du coup je vois pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Merci Motisma. Y'avait pas un dresseur ici? Si, je veux pas prendre de répulsif. Ah bah... Ah, ah, mais qu'est-ce que tu fais? Eh, hey, bienvenue sur mon île Rikiki. Pourquoi est-ce que tu mets ta tête dans l'eau? Mais non, elle fait des... Non, non, sport. regarde. Delphine, la nageuse, veut se battre. Mais non, mais j'entends ce que je veux aujourd'hui, hein. J'ai entendu Effie, la nageuse, veut se battre. Pourquoi il y a deux types de nageuses, d'ailleurs? Parce que tu crois que tout le monde a le même maillot de bain? Alors, il n'y a que deux maillots de bain à Lola quand même. Non, trois, parce qu'on en porte un différent en fait. Il n'y a que trois maillots de bain à Lola. Oh non, on fait pas abri, j'ai plus de rayons chargés moi après. Critique, mais vous êtes sérieux là? Eh ouais, moi je fais coup critique, direct, et je suis un Linel, c'est bon, un Linel. Je suis un Linel. Oh, je l'ai même pas battu en un coup. Allez, courage, Runiel. Meurs pas. Ah, il me jette plein de stalactites. Non, c'est pas fini. Oh non. Ça a l'air épique, dis donc, ce qui se passe. Ah mais oui, bah oui, il y fait l'attaque ultime. Et toi, t'as peur. Imagine, là, il faisait vive attaque. J'ai gagné. Ouf. Ce n'est pas parce que j'ai perdu que je vais te céder la place, hein. Je veux bien une potion, par contre. Je croyais qu'il y avait une CT ici. En fait, on est venu pour rien, ici. Mais non. Si, il y a une CT. Je l'ai trouvée. Ah. Le reflet, oui. Oh là là, quelle CT incroyable. Bon. Allez, on va partir d'ici. Allez, je fais confiance en la chance de pas utiliser de répulsif. Ouais. Moi, c'est bon, j'ai eu de la chance. Tu crois que je vais trouver quelqu'un pour soigner mon Pokémon ou je dois me débrouiller moi-même? Bah, demande à Magmar là-bas. Pendant ce temps, je dis, parfois j'ai peur de ne pas être très utile. Tu es contente de m'avoir? J'ai pas le choix, j'ai le choix entre oui, tu m'es indispensable. Mince, j'ai monté et ça. Bon. Écoute quand même la fin de ma phrase. Donc oui, tu m'es indispensable, oui, tu es un vrai ami. Ouais, non, mais t'as vu comment le gars est en mode, hey, c'est bon, hein, moi je suis bien. Oh, c'est une pyrosélite! Ça veut dire que tu as réussi l'épreuve de Kiawe, toutes mes félicitations! Dans ce cas. Regarde, tu peux aller sur l'autoroute! Et voilà! Attention, c'est dangereux, hein, il y a des voitures! L'épreuve des Barbara a lieu dans la jungle sombre feuille. Alors fais attention! Ne pas le droit de vous déplacer dans des tunnels à pied normalement! Mais Bou, il fait tout moti. Oh. Il fait tout moti sombre ici! Oui, pourquoi on traverse un tunnel? Ah non, j'écoute, c'était Team Skull en force. Oh, la déception était grande dans mon cœur. J'espère que tu l'as entendu dans mon... Ah. Wouah, le niveau d'aura est incroyable. Eh, hey, salut. Bah, toi. Ce lieu sombre et creux. Le plus beau ce tunnel. C'est donc ce qu'il nomme un tunnel. C'est singulier. Mais vous êtes quoi, en fait? Des idiots. La première fois que je vois un tunnel de ma vie par ma moustache, je crois que je tiens une théorie. Les habitants d'Alola, ils construisent des tunnels. C'est fantastique. Ils défient des Pokémon dominants. Ils sont enveloppés d'une aura. Et c'est quoi le rapport avec les tunnels, du coup? Ouais, c'est pas grave, c'est bon. Absolument. Mais dis, il voit quoi de plus de Christo Z? Est-ce que t'es capable d'utiliser? Je sais pas quoi en faire, j'en sers jamais. Il parle de la Force Z. Oui, mais je sais pas comment faire quand même. Je m'en sers pas. Oui. La lumière émise par la capacité Z est identique à celle qui baignait notre monde. Oui, non, mais c'est bon. Ça, je crois qu'on a compris. Hein. Au bout d'un moment,
Il est temps de nous mettre en mouvement, l'heure est approche. La technologie est peut-être plus avancée, nous devons l'adapter si nous voulons utiliser avec les Pokémon. Ouais, ouais, c'est bien. Là, vous venez pas vous battre, en fait, vous servez à rien. Même pas pour un combat. Est-ce que tu penses que ce sont des humains? Non, je pense que ce sont des monstres. Alors, je pense que ce sont des insectes. Attends, du coup, ils ont rajouté une zone. Oui, oui, juste pour... Juste pour ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Balise du tour des îles. Quand un Pokémon évolue, il gagne en puissance, mais il apprend de nouvelles capacités à une fréquence différente. Blablabla. D'accord. On peut pêcher. Là, il y a un monsieur et un enfant. Papa, je veux avoir un Quatermack. Moi, je veux un Broutant. Si c'est bon, une âme charitable, passez par là. Montrer un Pokémon. Ouais, je vais lui montrer. Oui. Je vais lui montrer. Ah. Moi, je vais lui montrer Happy. C'est un Pokémon que vous avez jamais vu. C'est encore plus impressionnant, non? Merci, tu me sauves. Regarde, fiston. Mais c'est pas un Goroutan. Eh, wow. Je te permets pas d'insulter mon Starry. Mais, pareil, hein. Non, mais oh. Je l'ai capturé en une Pokéball, il va très bien. Non, mais vous avez pas le droit. Mais je vais vous donner des coups de pied. Je vais vous faire le Goroutan, regarde. Mais tu le fais mal. Non, mais c'est bon. Hein. Eh, mais j'ai pas envie de faire leur quête à eux. Hein. Ouais, non, c'est bon. Clair, ouais, je reviendrai jamais avec un Quatermack. Je vais aller au laboratoire, du coup. Ah, ok, non, toi, t'y as pas aidé. J'ai fait un pas de plus. Il fallait pas. Un pas de trop. Mais j'ai vu la mulette du tour des îles. Ah, mais en plus, vous êtes en train de faire quoi, là? Mais on est en train de le racketter de ses Pokémon. Et ouais, donne-nous les Pokémon. Un tunnel, ouais. Au moins, je pense qu'il sait ce que c'est, un tunnel. Incroyable, j'avais jamais rencontré des gens qui savaient pas ce que c'était un tunnel. Mais toi, là-bas, tu sais ce que c'est, un palmier? Parce qu'ils m'ont demandé ce que c'était, hein, quand même. Mon nom est Nikolai. Je vais mettre des recherches sur le sujet suivant. Comment révéler le potentiel caché des tunnels? En résumé, j'essaie d'entendre ce que fait un tunnel. La prochaine fois, on devrait les attaquer avec un Pokémon qui fait tunnel. Ah oui, je suis persuadé que la clé réside dans le lien qu'il entretient avec son dresseur. Ce titre, un petit de dresseur, me fascine tout particulièrement. Ce qui, comme toi, se lie à leur Pokémon grâce au super bracelet Z. À propos, je ne t'ai pas encore demandé comment vous appelez. Je tâcherai de m'en souvenir. Allez, prenez les CS. J'espère que c'est tunnel. Microcharge. Il n'y a pas besoin de ça, nous. Mais il n'y a plus de tunnel en CT, en fait. Que la capacité nitrocharge te sera utile lors de ta prochaine épreuve. C'est terrible d'entendre des bip 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 tout le temps, là. En particulier contre Pokémon dominant. Oui, d'ailleurs, lui, ce gars, il sert à rien parce qu'il vient là, juste là, et puis ensuite il a disparu. Dans le jeu original, non? Je crois. On l'a plus jamais revu. Serait-ce la puissance que je convoite, plus puissante encore que la méga évolution? J'allais dire la méga convulsion. Décidément, entre ça et les lieux dédiés aux Pokémon comme l'archipel Poké-Loisir, j'ai vraiment bien fait de venir à Alola, je sens que je vais prolonger mon séjour. Je crois qu'il a pas prolongé son séjour dans la version originale. Hein. Oh, c'était nul finalement. Des personnes assez étranges ont besoin de mes services pour une curieuse mission. Ah bah oui, il y avait pas la team. Je sais pas. Allez, ce que c'est un tunnel. Allez, c'est bon, on l'a pris. Voilà, donc on va pouvoir aller dans le laboratoire. Dans le laboratoire. C'est quoi ça? C'est un emblème, non? Ah non, c'est. Truc bonjour nul. Madame. Ah, une tristesse qui est un Pokédex. Ça vous dirait de faire un petit boulot anonyme pour une fondation philanthropique? Dites-moi en plus. Comme vous le savez, la Fondation Aether a pour mission de protéger les Pokémon, mais pour les protéger, il faut d'abord bien les connaître. Je veux étudier les mucuscules de la jungle sombrefeuille. Oh, mais nous, on n'a pas de mucuscules. On n'est pas encore dans la jungle. Votre travail sera d'enregistrer un mucuscule dans votre Pokédex, puis de me montrer le résultat. Évidemment, je n'attends pas de vous une action bénévole, alors haut les cœurs. Oh, c'est un Goupix mort. Ce pauvre Goupix a peur des humains depuis qu'il a été traumatisé par le team. C'est quand même pas le Goupix de la capsule d'argent. J'avoue. Ah, ça va, je suis pas mort, en fait. Ponif. Ça alors, c'est la première fois que je le vois s'approcher d'un être humain de son propre chef. Il doit y avoir un truc entre vous. Ouais, on parle de capsule d'argent, tout ça. Il a l'air plus détendu. Tu voudrais pas revenir lui rendre visite quand tu auras du temps? Oui. Mais on est là, actuellement. Merci, tu as entendu ça, Goupix? Ah bah, du coup, ça lui a pas plu, hein. On va manger quelque chose, tu manges rien, c'est allez. Comment vous savez qu'il a été traumatisé par la Team Skull? Je suis sûr que c'est toi qui lui donne, il pourra pas refuser. Oui. Tu vas me dire que j'en ai pas, c'est ça? Il faut que j'aille en chercher une. Mais tu n'en as pas! Mais oui, bah oui, bien sûr! Bah oui, vous voulez lui donner à manger, mais c'est à toi d'aller chercher la nourriture quand moi, même! Moi je l'ai, parce que je suis une bonne dresseuse, donc je vais pouvoir te dire la suite de l'histoire ou tu veux aller en chercher une? Tu veux en chercher une? Je sais pas où ça s'achète ce truc. Juste en bas, il y a la ville qui en vendait. La mienne, elle est fraîche. Gougou! Lentement mais sûrement, Goupix commence à manger la malasse à Damaxi. Elle est aussi grosse que lui. On a réussi, il l'a mangé, et c'est tout ça grâce à toi.
Reviens me voir demain, hein. Ou quand tu veux d'ailleurs. Je suis là. Ouais, je pense que. Pourquoi vous avez enfermé un truc dans une cage là? Comment ça? Il est là-dedans, là, il y a un truc rose là, petite peluche machin là, il est dans une cage. Voilà, il est reparti. Ah bah il y a carrément. Ah moi il y a des miaou, c'est Goupix. Pourquoi vous les avez enfermés dans des cages? Hein? Et après vous dites, ah oui, nous on est les gentils. Dans des cages! Ah, il y a une cage vide, c'est pour l'autre Goupix. Non, il n'y a pas de cage vide. Moi j'ai une cage vide. Bon. Ah, il y a une top dresseuse. Quoi? Non, mais c'est pour les photos, t'as entendu un bruit pour faire une photo. On peut prendre quoi en photo là? Attends, tu peux espionner la fondation? Non, on peut regarder en dessous. Et ratata! Bon, ouais. Donc on en était à dresseuse, ok. Mais elle est gentille, je crois, elle veut juste... Ah, elle dit juste battre tout le monde. Ah non, apprendre chute libre. Oui, elle veut... Non, elle veut tuer tout le monde. Ah, oui, ok. Et là, en bas, il y a un petit chemin. Ça a été où? Là, à droite. Non, mais oui. Non, mais oui. Non, mais oui. Oui, là, il y a une Jackie. Oh, elle m'a pas vu. Grande perle. Est-ce qu'on la surprend? Oh. Je me plains du voyage d'ospertif pour comprendre pourquoi je me perds tout. Bah, faut pas prendre des petits chemins et après s'étonner aussi. Oui, mais c'est dur de retrouver. Alice, la randonneuse, veut se battre. Elle envoie un Evoli. Ça va, elle est cool alors. Moi aussi, j'envoie un Evoli. Ah, j'ai appris à fuir. Trop bien. Bon, allez, je vais faire une méga puissance. Attention. Ah, tu fais carrément le tir de blaster. Oui, regarde. Trop bien la danse en même temps. Pyro, explosion cataclysmique. Et... Oh, le pauvre Evoli, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Ah, les coups critiques. Et même pas mort. Quoi? Et moi, je pensais que tu le tuerais, alors je l'ai achevé, le Evoli. Non. Bon, bah... Coup de poing. Mais non, mais Eruniel! Mais Eruniel! Mais pourquoi es-tu Eruniel? Feuille magique! Voilà. C'était difficile comme combat. Arrête de te tracasser, elle te dit, Alice. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, après on redescend sur la route. Attends, mais du coup, il y a un chemin pour aller là? Ah oui, d'accord. Ah oui, on voit sur les nuls. Bon. Pas des nuls, des j'aime pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à gauche, du coup? Ou vaut mieux pas? Non, ça a l'air d'être le même chemin. Wouah. Il y a le vilain dresseur. Tu veux m'attaquer d'ici? Oui. Ah, je suis plus grand que toi! Franchement, on aurait dû l'attaquer par derrière. Ah, j'aurais été plus petit que toi! Elle mute? Ouais. Tiens, des hôtels, tout ça. Allez, ce soir, mange des racines. Pour, j'ai cru que t'allais dire des racianes. Non. Ah, c'était pas bon. Il était périmé! Oh non, il me feinte! Pour la peine, prends-toi un rayon signal. Et voilà. Bah alors, t'as que ça comme Pokémon, elle mute. Un petit Léon. Je vais lui faire une onde de choc. Il va rien comprendre. Moi, je le mange. On mange le poulet. Oh non, il me picore. Ah, il m'a picoré, mais ça fait rien. Moi, ça me fait mal parce que j'ai un Pokémon psy quand même. Bah, j'aurais dû faire vive attaque. C'est bon. Ah, misère. J'ai échoué en dépit de mon excellente stratégie. Bah, il m'a quand même fait pas mal de dégâts, hein. Je voudrais pas dire. Il m'a fait picore, quoi. Incroyable. Et cette Pokéball, c'est... une hyper potion. Bah, c'est bien, je vais l'utiliser. Du coup... Il y a encore une fille en hauteur. Ouais, mais elle, je vais l'attaquer par derrière. Et tu ne mourras pas. Alors, elle dit un truc différent. Non. 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 Dommage. En même temps, elle fait pas de commentaires vis-à-vis du fait qu'elle attaque les gens de haut. Du coup, forcément, c'est Natacha. Alors va, Nounourson, meilleur Pokémon du monde. À ce point? Non. Il est enfermé en prison, alors voilà. Elle l'a libéré, Natacha, elle est sympa. Elle.
En fait, je fais ça, mais non, c'est pas bien, en fait, je crois. Oui, voilà. Il va me donner une gifle de la mort. Mais ouais, mais ça sert à rien. Moi, je vais faire ça, plutôt. Wow. Wow. Ça lui a fait trop mal, le machin. Ne vous en faites pas, minuit, niveau 27. Je me rends. Trop forte, minuit. C'est wow. La meilleure. T'es un Pokémon au niveau 27. Non, mais tu vas me donner un conseil à chaque fois, maintenant. Il y a un truc qui... Ah non, c'est une Pokéball. Bah du coup, on a l'air d'être arrivé au prochain centre Pokémon. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait attaquer par une cinématique. Ah ok, d'accord, ok. Oh là 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 là, oui, d'accord, ok, Tilly, il drague des gens maintenant. N'importe quoi. Eh, dis, la place festival, tu connais? C'est comme un fête de village géant où tout le monde vient s'amuser. Ça se voit que tu connais la place festival, toi. Ouais, la place festival, c'est trop bien, même Papé a essayé. Quoi? Moi, j'adore parce qu'on peut rencontrer plein de gens, je vais y faire un saut avec mon équipe. C'est pas par là, Tilly. D'accord, et c'est tout. On peut partager nos photos sur la place festival, trop cool. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs spéciaux dans ce centre Pokémon? Bah, même que Pokémon de Grand Fer, c'est le plus fort du monde, je l'ai emprunté en cachette, tu veux voir comment il est méga fort? Ah, lui, il veut nous battre. Ah, ah, tu veux faire un dernier combat? Ouais. Bon bah, allons affronter le Pokémon de grand frère le plus fort. Il faudra pas venir pleurer après, hein. T'imagines, là, c'est un Pokémon niveau 100. C'est trop rigolo. C'est Nicolas le Petit. Mais c'est nul. Vous dites pas qu'Angourak c'est nul, il va méga évoluer, vous allez pas rigoler après, hein. Eh bah non, il peut pas méga évoluer, tu sais pourquoi? Parce qu'il a pas de lien avec ce petit garçon. Ah ouais. Ou alors le petit garçon n'a pas de méga anneau. Ah non, il m'a fait contre. Ah, je l'ai rendu confus. Ça m'a fait... Quoi? Moi, je vais avoir un peu de mal à le battre parce que... Il je l'ai mangé. Il y a beaucoup de HP. Wouah, il a dansé. Quoi? Il a dansé? Oui. Il a fait danse Draco. Regarde, regarde. Ah non. Non, il a fait façade et il a dansé du coup. Il n'est pas très efficace. Je sais pas ce qu'il a fait. Contre. Moi je fais Rafale Psy. Bien joué, tu as battu le Pokémon de son grand frère. Non, le Pokémon méga fort de mon grand frère. Je crois que moi du coup, grâce à ça, je vais évoluer. Ah, tu évolues carrément? Mais oui. Regarde ça, c'est magnifique. Ah bah oui, j'en doute pas. Ah, il faut que je remercie le grand frère du petit et son Pokémon, parce que grâce à ça, Happy peut montrer tout l'étendue de sa puissance dorénavant. Wouah. Il a même déployé ses oreilles, trop bien. Il va s'envoler. Mais quoi? C'est pas possible, c'est le Pokémon de grand frère plus fort, t'as triché. Eh, mais c'est bon, Pokémon. Oups, je crois que ça va barder. J'ai dit de demander avant de l'emprunter. Désolé. Et en plus, tu t'es pris une raclée. Ah ben bravo. Mais c'est pas juste à la tricher, c'est pas possible de perdre avec un Pokémon méga fort. Ben, c'est parce que, bien sûr que si, tu peux me perdre avec le meilleur Pokémon du monde si tu sais pas le diriger. Parce que, c'est jeune homme, hein. Oui, ok. C'est parce que j'aime mon Pokémon et que je m'en occupe tous les jours que je connais ses points forts. C'est pour ça qu'ensemble, on est imbattable. Pour réussir à gagner avec le Pokémon de quelqu'un d'autre, faut beaucoup s'entraîner. Je crois que c'était à faute de mes Pokémon si je perdais contre mes copains. En fait, c'est de ma faute, je gagnerai jamais si j'apprends pas mieux à les comprendre. Si elle appartient maintenant, je vais apprendre à les connaître. Et un jour, on serait tellement fort ensemble que je le battrai. Ah, je me laisserai pas faire, mais je peux toujours essayer. Donnez-moi des cadeaux quand même. Vous allez t'avoir entraîné, tiens, un petit cadeau, oui, voilà. Mais c'est nul, quoi? Oh, une Béprine. On fait la course jusqu'à la maison. Ouais, à plus, moi je vais gagner. Bah déjà, il est pas sympa, le gars, on fait la course, il part avant. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt, tout le monde. Bye bye.